YouTube, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Red Dead Redemption. Je crois que nous sommes à l'épisode 33, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait la petite route pour aller chercher notre ami ici pour la prime de $90. Donc on verra comment ça va se passer. Évidemment, on va essayer de le faire de manière non létale, pour essayer de gagner un peu plus de karma. Je pense que ça peut nous en faire gagner un petit peu quand même. On verra si c'est possible ou pas. Ensuite, on enchaînera directement avec la quête d'Albert Cakes. L'oncle a dit que vous pouviez acheter une maison préfabriquée, et comme ça, on aura la maison de notre petit ranch. Et ça, ça fait plaisir, ça c'est cool, ça c'est beau, ça on aime. Donc... Okay. Je n'ai rien fait depuis le dernier épisode, à part avancer sur la route pour éviter de, bah voilà, de vous faire la route. Donc là, j'ai dû tuer deux loups parce qu'ils sont venus me chercher... Mais ils m'ont cherché des noises, on va pas se mentir. Bon, après, ça s'est réglé à coup de balle dans la gueule. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé, quoi. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais recharger le fusil. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Est-ce qu'il faut y aller en mode sneaky? Non, excusez-moi. Non, je veux rien. Je me suis trompé, je range mon arme. Je voulais me faire des amis. Ok, bah... Apparemment, je n'ai point le droit. Ok, on continue d'avancer doucement. Localiser... Rien à chercher mort ou vif. Non, que fais-tu? Que fais-tu? Reprends ton... Là, reprends ton... Rechercher mort ou vif. De toute façon, il va pas nous attaquer. Il sait pas pourquoi on est là, en fait. En vrai de vrai. Ah, voilà. Explorer le campement. Il y a un ours là. Qui on va y aller à pied. J'ai une technique pour l'ours que j'ai vu sur internet. Je voudrais voir si ça marche vraiment ou pas. En gros, c'est en fait quand l'ours te court dessus, tu cours pas. Oh, on va me dire. Oula! Apparemment, on m'indique ce coffre. Bah, y'a rien dedans. Je peux les fouiller? Ah, excusez-moi, monsieur. Hop, oula, vous êtes solide. Oula, ah oui, d'accord. Pénétrer plus loin dans le territoire des skinners. Ah ouais, ça va être compliqué. Garde ton truc à la main, s'il te plaît. Sois pas débile. Ok, la prime... Comme ça, j'ai chargé mon coup. Et donc c'est par là. Ah, ils sont... J'ai fait quoi là? RB. Okay, donc là je suis à la fin, donc ça supprime le... Ouais. Je vais ramener le cheval là parce que pour l'instant on est en zone safe. C'est quoi ça là-bas? Ok. J'entends mon cheval arriver. Ça me fait peur cette chasse à l'homme là. Hein, voilà. Et après c'est tout droit. Ok, reste là. Voilà, reste là. Il me suit, hein, ce gogol. Ah, merde. Attendez.
Voilà, comme ça il bougera pas. Oula. Toi, t'es qui, toi? T'es un truc légendaire ou pas? Non, pas du tout. Wapiti femelle des montagnes rocheuses, ok. Par contre, j'ai entendu des tirs. Et plusieurs. Donc, ça veut dire que le mec, il est pas tout seul. Ok, on va le capturer comme ça. Viens, cheval. Bah oui, mais bro. Pour l'instant, on est pas mal pour le capturer vivant. Hein. Attention avec les orbes, c'est compliqué. Oh le bâtard! Non, je l'ai tué! Mais c'est pas possible, je suis con. Non, je l'ai pas tué avec ça, il est vivant là. Ah oui, non, il est vivant, il est vivant. On va le fouiller déjà. Ok, on est des chasseurs de primes de folie. Prendre. Oh, on est des chasseurs de primes, les gars. Ouh, attention. Il va me bouffer. Ok, oh, j'étais un peu tendu là, j'étais très calme. Ok, on est les meilleurs. Oh là, je suis fier de nous là. On a fait un truc hyper propre. Tais-toi. Ah bon, on l'a pas tué, on peut lui foutre 2-3 patates dans la tronche. Hein. Oh, fais attention. Ta gueule. Oh, belle répartie. Excusez-moi monsieur, je travaille pour le gouvernement. Ouais, il m'a dit allô, MDR. Il y a une petite maison là, ok. On le laisse parler ou pas? J'ai un doute. Ouais, les yeux tout blancs, la bouche qui tremble. Ouais, vas-y, dis-moi en plus, ouais, ça m'intéresse. Je t'aurai et tu souffriras. D'accord. Bah, il dit Mister, hein, donc en vrai, il me respecte. Mais tu vomis pas sur mon cheval, je te le dis, moi. Ok, très bon début de vidéo. Eh, les autres, en vrai, j'ai pas fait remarquer, mais j'ai foutu v'là les headshots. Hein. Si, ils vont me pendre, en fait. Oh, ta gueule. En vrai, j'ai bien allumé ses potes, là. J'étais en mode, ouh, ça va être compliqué de l'avoir vivant. Mais au final, bah parfait. Parfait, parfait.
Je sais pas si on entend les bruits de manette. Désolé si c'est le cas. Normalement, j'ai réglé le micro pour que ça atténue à mort, mais je verrai au montage. Si c'est le cas, excusez-moi, de toute façon, je joue à la manette pour ce jeu, donc... Ok, donc j'ai foutu des chats de tous les côtés, j'ai capturé le bandit, tout ça en l'espace de 10 minutes. Hein. Clairement, cette vidéo, on va enchaîner l'émission, ça va être magnifique. Quoique, il y a des quêtes, elles sont vachement longues. Hein. Ok. L'autre, c'est bon, je crois que je l'ai mis KO. Eh, ça, c'est 90$ gagné facilement. Hein. Mais je veux pas dire, mais ça fait plaisir. Hop là, toujours des petits points de karma gratuits, hein, ça quand on dit bonjour. Hop là, qualité professionnelle, évidemment. On attache El Petit Cheval. Voilà. Il s'appelle Rachel le cheval, tiens. Allez, viens là. Quelle cellule? Ah bah, ok. Bienvenue chez toi, fils de pute. J'aime bien, on l'a laissé attaché avec son arc. Ça, c'est beau. Je voudrais mes dollars. That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. You don't mean that, do you, chief? I'll take it. 90$, ça fait plaisir. D'avis policier, si vous voulez passer pour récupérer un nouvel avis de recherche. Eh ben franchement, si ça permet de rembourser la banque plus vite. Je sais pas si en vrai il faudrait réellement la rembourser, mais dans le doute. Tais-toi. Ok, on a fait un taf, nickel. On a 90$ de plus pour rembourser le prêt du ranch. Et ça, ça claque. Et ben on continue. Quoi, j'avais une quête là. J'ai jamais su freiner avec ce cheval, hein. Je fais que des demi-tours. Quoi? Ah. Ça me dit quelque chose, Gavin. Ok. Je n'ai rien trouvé. Je comprends pas ce qu'il veut en fait. Voilà, et le doublage y appartient pas encore en couille quand même. Donc attends, il cherche un mec qu'il a perdu depuis des années, il sait même pas à quoi il ressemble. Ok, j'attends, on sait jamais. C'est tout ? MDR. Bah y'a rien là en fait en gros. Ok. Oh. Oh, je pourrais passer tellement des heures à me balader. Juste à regarder la vie des gens, je trouve ça trop stylé. Oh,
Hop là. Bon, il est chiant avec Gavin. Si jamais on tombe sur un Gavin, les gars, vous me le rappelez. Il y a une entrée quelque part ici? Oui, ici. Ah oui, on va acheter la maison, j'avais zappé. Oui, ça va être bien ça. Normalement, on va peut-être pouvoir acheter une belle maison. Excuse-moi, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know, is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Okay, économique, ça me plaît. Dis-moi plus. Which house do you want? On a un certain budget, hein. Is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique. Okay, pour ma femme, ça lui ferait plaisir. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. You write your name here, and you sign your name there, and okay, you're the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. Okay. You boys give me a minute. Ah, c'est la maison, on la récupère tout de suite. Oh, c'est trop bien. Everything okay? I'm not sure. Probably. Quoi? Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If this Skinner's about, we need him. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Mais j'ai capturé leur chef. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? Old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Ok, allons chercher des outils. Il y a la maison dans le coffre, les gars. Oh, trop bien. Oh putain, on a deux chariots en plus. Oh, il trace avec... Eh, va doucement, c'est ma maison, là, que t'as en stock. Il a pas le temps, lui. Bon, par contre, là, je veux bien pour le karma et tout, on évite de tuer, mais si quelqu'un essaie de prendre ma maison... Ok, alors là, ça, c'est une démonétisation directe ou... If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? I suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. Non, pas du tout, on n'a jamais rien volé, nous. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. On a du bois, hein. Cut timber and some tools. What? No. Wait. Look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. Ok, pour l'instant, il me paraît... J'ai un peu peur qu'ils nous trahissent, mais bon. Il parle un peu en mode fatigué, le mec. On prend la prochaine à droite, en direction du relais de Manzanita. Ok. Ouais, c'est vrai, on se demande ça. Allez, avance. Putting the kids to bed, but when I'm out here, I'm watching the tree line.
I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, Mon perso est en mode, ouais, je m'en fous. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Ah, sans les problèmes. Je crois qu'ils doivent tellement galérer les chevaux à bouger autant de tonnes de bois, quoi. On parle pas en tonnes pour le bois, je sais plus comment on parle. En ster. Une ster de bois. Mais je sais pas ce que ça représente. Ok. Attendez ici. Après, vous achetez les outils à Niels. Allez. Manzanita Post. On est où sur la map, là? Petite question, là. Des endroits qu'on connaît pas, là, si? On découvre un bout de map ou... ah oui, en effet. On découvre encore un petit bout de map. Putain, il y a encore un sacré bout de map derrière. Ça promet. Bon, prétend qu'il fait son boulot. Niels. Niels, it's me. On dirait un 7 mains. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. Là, la traduction, ils auraient dit juste OK, c'était bon. Hein. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. All right then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs men. Whoa, 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 whoa. Ah ouais, t'es un mercenaire de qualité, toi, en fait. C'est pas... Ah si, c'est mon fusion. Ok. Aïe. Bon, les skinners là, vous commencez à me saouler, vous. Hein. Je me suis pris un coup de machette, hein, quand même. Mon chapeau. Oh, les outils. Charles, come on. Là, il y en a dans l'arbre. Non mais bro. Ah
commence à me gonfler hein, ceux-là. Ok, oh là là, les gars, hey, ça part toujours en gunfight. Hein. Moi, je voulais tuer personne. Hein. Ok. Aïe, je recharge, vous trichez, wow. Putain, j'essaie de faire des headshots là. Il est où le dernier? Il est derrière l'arbre. Ouais, t'es solide lui. Ouh, vous étiez nombreux. Là. Ah. Oh merde. Oh. All right. Shit. Elle était là, elle nous a fait le speech de sa vie et tout. Jesus. Enfin, tout ça pour une caisse à outils. Hein. We gotta move fast. Come on. Let's go. Back to the road. J'aurais même pas le temps de les fouiller, oh dommage. Tout ça pour un marteau, trois clous. Bon, ben là en théorie les skinners c'est bon, on les a tous lavés. Use you getting bloody too. Is he? Is it bad? They opened him up pretty good. Bah ouais, je confirme. His head in two. God damn them. Mr. Wayne didn't make it. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. All right, let's get out of here. Est-ce que je peux fouiller les corps ou... Oh my lord. What they do to it? Nothing nice. On peut fouiller. Oh, de Guarma. Ok, cigarette. Est-ce que j'ai le temps de les fouiller ou est-ce que ça va faire échouer la mission, j'ai un doute. Oui, non mais on va y aller, je fouille juste. La bardane c'est pour le cheval ça je crois. J'arrive, j'arrive. Enfin, par contre il y en a, il m'a mis un coup de machette ce bâtard. Il n'avait pas le temps. Ils étaient nombreux hein, quand même. Oh, il y a mon chapeau qui est là. Par contre, ils ont pas une thune, quoi. Eh, ça, c'est le chapeau d'Arthur, quand même. Non, c'est même pas lui. Je crois pas. Non, c'est pas celui-là. Si. J'hésite, je ne sais pas.
Hop, je fouille rapidement, hein. Je vais pas aller refaire ceux de d'en bas, je fais juste là eux vite fait. Ça, ça me fait un stock d'items. Par contre, ouais, ils ont pas un dollar. Hein. Ok, je peux plus rien ramasser, c'est ça? Il faut encore lui là-bas. Je crois que je suis plein de partout en fait. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ok. Bon, ah si, bonbon du Kentucky. Il me reste encore une petite place. Il y en a un qui est vraiment genre juste là. Voilà, je sais pas ce que j'ai ramassé. Gomme à la cocaïne. Hop. On reprend la route avec notre maison en bois. On dira rien de notre femme. Hein. Oula. Get us back to beaches. Bon bah désolé pour notre ami malheureusement. Those were the Skinner brothers. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. Skinners move around. They're here for now. Bah là ils sont plus là. Hein. On les a lavés là. This kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. Oui, en plus c'était vraiment genre juste à côté de chez moi quoi. Ok. On a la maison. Non, ils l'ont pas tué quand même. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town. I'm gonna pull Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Well, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. On s'est pas fait fuir, on les a tous flingués. Sure. If you say so. Mission finie. Petite mission gunfight. Ça fait du bien, ça change. And John, I love you. Don't you forget that. Non, elle oubliera jamais, t'inquiète pas. On travaille dur et on ira te chercher. On t'offrira tout ce que tu mérites. Ouais, je suis un peu un lover des fois, ouais, tout à fait. Près de la banque, près de la banque reçue, près de la banque reçue. T'as genre soit des trucs. Elle est où notre maison du coup? On a un camp là, et là on a nos chevaux. Ok. Ok, ça n'a pas beaucoup évolué, on va pas se mentir. On va voir là-bas ce que c'est. C'est le bois qui a été stocké, je suppose. Oh, on a une quête juste là. Oh, c'est sûr. Pas besoin d'aller très loin. Ah bah oui, notre bois est là. Ok, notre petite maison. J'ai pris mon cheval pour rien. On a un sacré paquet. Hein. Alors, Uncle. Those plans make any sense? Oh sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? That is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Or you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a 6-foot-deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Allez, on y va.
Ah, stylé. Eh, ça va être de la belle maison, hein. On a fait des rues de fondation, par contre. On plante des clous et tout. En rythme. Hein. Oh, c'est trop bien. Ça. C'est un petit côté Sims. Oh, la belle maison qu'on va offrir là, à notre femme. Notre fils, il aura sa chambre et tout. Eh, ça fait encore une bonne journée de boulot, ça. Hein. Qui se branle là. J'essaie de taper en rythme. Oh là là, ah ouais. Fondation de forain qu'on a fait là. Allez, un petit café, merci. Faudra vraiment que je me coupe les cheveux par contre. On passera chez le coiffeur, je pense. Oh, on a un beau plancher, hein. Oh lolo, et la maison, elle est cool. Seulement, c'était aussi simple de construire une maison. Si je mitraille, ça fait quoi? Ok, ça fait rien. Attends, là, les murs, à chaque fois. On a une rude belle maison, hein. Elle tabasse. Je veux la même. Ok, les tuiles. Oh, c'est tellement stylé. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Pas de soucis, bah attends, il nous aide à construire la maison. Gentlemen, to this happy home. At least till this fool gets his woman back. Ah, une petite lettre à sa femme, c'est ça? My darling Abigail. I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. Non, j'avais déjà une barbe à ce moment-là. I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle
while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. Le petit crâne et tout, oh là là. And the boy, more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. T'as lu pour récupérer sa femme, il a mis les petits plats dans les grands. Hein. Quelques jours plus tard, exploit aux déterminés la Nouvelle Jérusalem. Elle est magnifique cette maison en même temps. Bon, avec un marteau et trois clous, mais... Putain, elle est vraiment magnifique cette maison. Uncle, I thought you was... Where the hell? Est-ce qu'on ferait pas une petite visite de la maison, là? Oh, elle est magnifique. Ok, j'aime bien. Un petit tour. Bon, il y a encore des caisses qui traînent, mais là, on vient juste de la finir, donc c'est encore un peu le bordel. On va passer un petit coup de balai, quoi. Mais non, je ferai pas la vanne, on va attendre que ma femme arrive pour s'en charger. Enfin, théoriquement, je vais de la faire, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Allez, fais-moi voir cette maison. Il a même fait une cheminée et tout, ok. Bon, pour l'instant, on dort par terre, évidemment, le mobilier est pas là, mais... Non, mais attends, c'est chez moi, je peux pas rentrer. C'est une blague. Ok, là, il y a une autre chambre. Des boîtes de conserve, ouais, bon, l'aménagement, c'est pas... Oh, quoi, qu'est-ce que je fais, là? L'aménagement, c'est pas encore ça, mais ça arrivera, hein, avec le temps. Elle est vraiment pas mal, hein. Elle est pas genre full luxueuse ou ouf de dingue, mais... Hop, on va voir l'étage. Pour le gamin, l'étage, c'est peut-être pas... Attends, il y en a combien qui dorment ici, là? Je comprends pas. Ok, une fenêtre là, il y a une fenêtre là... Ok, pas mal. Ok, j'aime bien, la maison elle est cool. Tout en bois comme ça, franchement. Non, elle est bien. Il est où l'uncle? Bon, on va faire encore une petite quête, on a encore le temps. Oh, il est pas la porte à côté là par contre. On va prendre le cheval, je pense. Ouais, viens là. Viens là, Rachel. Il s'appelle Rachel le cheval, je crois. En plus, on a un beau terrain et tout. Il y a moyen de faire des trucs ici. Par contre, je sais pas si ça veut dire quoi, tous les petits feux là qu'il y a. Peut-être un petit lieu de quête secondaire. Ah, faut réparer la barrière là. Je peux la réparer ou c'est mort-mort? C'est mort-mort. Ah, ou c'est fait exprès pour avoir une ouverture peut-être. Je ne sais pas. Ouais, il est posé, tranquille, il lit son petit bouquin. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Just one time, I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin, so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming? Ouais, culture. Ranching? Planting something? The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn.
barn will take three of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with him. Okay, on va aller avec lui. Allez, I c'est parti. Can't move like I used to. Then I never was that fast. Allez, c'est parti. Une grange. C'est cool, on va avoir des... on va vraiment avoir des moutons. Let's go. Je veux aussi une série de Blackwater. Par ma route à moi ou... This fella probably saw you. Thought, here's some corn husk idiot. Some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm going to rob him blind. I got to respect him for it. Because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Toujours très gentil. Ah, c'est par là. En fait, on apprend à l'aimer l'oncle à notre façon, quoi. And that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all. C'est vrai qu'on a une dette à rembourser encore. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Oui, la maison est vide, mais en même temps, on vient de la finir. Eh les gars, un truc à la fois, hein. C'est combien ça coûte une maison? J'ai une dette de $800 à la banque, là. On n'est pas si loin de la ville, ça c'est cool. En vrai, si on a besoin de trucs, ça va, quoi. Allez, vendeur de bois. Dis-moi tout, j'ai besoin d'une grange, frérot. And how are we? How's little Emily? Emily? I'm sorry, I've, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. That one. An excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's but it's great seeing you again, Al. Yeah, it's and been you, a sir. Pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. Okay, j'ai pas trop compris ce dialogue, mais... How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. I've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. John! Hey! Is that Sadie Adler? John, how are you? Well, hello, facile, Uncle. Là. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing. And you up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. On s'est fait de la thune, quand même. Sadie, he's a delicate flower underneath. Ok. Informe la banque qu'elle va avoir une rentrée d'argent. Prends des vins pour les gars. Ok, bon, bah c'est parti. I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. Allez, go. On va à Painted Sky. You know, I've been doing some bounty hunting at my home since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. Ok, bon, on va éviter de faire des dingueries. On va se dépêcher alors. Bah. La meuf vient aussi.
C'est là, t'es deux temps, c'est qu'on connaisse ça. But saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts. Ramon Cortez. Stuck in West Elizabeth. Okay. It's gotta be him. Hold up, waiting on some out. And we're gonna get to him first. Whoa, whoa. Allez, go. Hey, so who is this bounty? Bah, c'est Ramon Cortez. Ramon Cortez. Ouais. He's with the Del Lobo guy. Del Lobo. Yeah. Okay. Si tu retournes là où on était à New Austin, tu peux être sûr que tu tomberas dessus. Are they Mexicans? Some and some Californios and some regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly, I bet. C'est par là. Charming to a fault. Situation là-bas désastreuse. Incendie, meurtre, enfin tu vois. Ouais, bon, comme d'habitude quoi. Not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild, that country. That ain't much of an advertisement for the place. It isn't somewhere I'd vacation, but it's something to behold. If you're inclined, you should take a look. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner Brothers? That's them. Skinner Brothers. They ain't nice. Nice. J'adore sa voix. Weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, oh, he didn't die well. I'm sorry, John. We fought back. We was too slow, was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to me. J'ai essayé de les saluer, mais ça n'a pas marché. I hope that's the last you see. Oui, bah je les ai tous lavés, hein. But if not, I mean to be ready. On a capturé le chef, on a buté toute la bande. En théorie, Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And Uncle. T'as deux quand même. Bark the odd order at us. Attends juste, hop, à chaque fois faut que je le fasse. It's solid though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. Bah, en théorie, ouais, c'est un peu ça, hein. That's what the bank says. Ah, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Ah, ça va être une petite pointe d'humour. Hein. Yes. On va tracer un peu plus. Putain, il speed son cheval, là, elle. Alors, en même temps, moi, le mien, c'est un cheval de ranch, quoi. C'est pas fait... Ça s'appelle pas tonnerre, turbo... truc un peu cliché. Ok, alors, est-ce qu'il va nous poser beaucoup de problèmes, ce... Ce banditos Ramos Cortez Ramon, pardon, il s'appelle Jambon. La petite bifurcation, tac tac tac. Ouais. Elle est loin. Hein. Ça, je suis sûr, c'est une zone qu'on n'a pas explorée. Je vérifie. Hein. Ah, si, oh bah, aussi, carrément, on s'en plaît mieux. Ok. Je pensais que c'était qu'on était plus dans cette zone-là en fait. Easy, easy. This is Painted Sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. Nous c'est parti. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. LB. L'arme est chargée. C'est parti. On va y aller tranquillement. On va forcer la serrure, ça sert à rien d'aller comme des barbares. Oh ouais, d'accord, elle a pas le temps par contre. Ramon Cortez!
We've come for you. Et évidemment, c'est pour moi. Hein. Jamais de la vie, tu rêves, bogor. Ouf, ouf, ouf. Hop là, ton chapeau là, hop là, viens là, Pepito. I think so. He just tried to kill me. That's about right. Elle rigole tellement zéro, elle. Yeah, that's him. Come on, let's get him to the sheriff. Donc ça paraît très simple quand même ça comme on, chasse à l'homme. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes. It's different there now. Ok, désolé pour ce bruit, il y a une espèce de moto chelou qui est passée. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. Ah, sympa. Bon, il va commencer à me faire chier avec sa vieille pétrolette là. Ça sent les problèmes, on est d'accord? Oui, la musique change et tout, ça sent les problèmes. Ah, quoique, je sais pas, j'ai un doute. Ça me paraît trop simple, la mission était beaucoup trop simple là. Pas trop la... ça, c'est les musiques de mauvaises nouvelles, ça. Allez, viens là, jambon Cortez. Ok, 200. 300, ok, j'ai une dette à rembourser. Ça m'intéresse. Monsieur le sheriff, je me fais harceler. Hein. Ramon Cortez. Cortez. Sure did. Well done, Hal. Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. Attends, $2,000 en or. Real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. La prime était de combien? Okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Il a une stache moule, frérot. Pourquoi il rigole, lui? Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. Tu sens que ça va attaquer directement le commissariat, là? Moi, je le sens. Il est trop détendu. Et je le savais. Ça va star shoot comme Jaja. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. We want our friend back. You have about 10 seconds, Sheriff Thomas. Ok, ça va bagarrer. One. Don't be a dumb bastard. Two. This is a good town now. Three. Let them have it, boys. Nous êtes sûr. Hop dans le cul. Hein. Oh, il vise bien lui. Hey, y'a mon cheval! Oh! Je me fais allumer.
Mais je suis là, meuf, je suis là, reste calme. Tu veux pas que j'ai des problèmes aussi, moi? Quoi? Ils ont fait exploser la prison. C'est clair. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Oui. Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. Cent. I can't go higher. Je m'en fous, 100. Done. Non! Let's go, Jim Milton. Bon, bah on retourne à la chasse à l'homme. Hein. C'était sûr, le mec était trop détendu. Attends, eux ils ont peut-être un peu d'argent. Là, j'ai une dette à rembourser, les mecs. Hein. Ah bah, je suis désolé, mais bon. Un ranch, ça coûte cher. Hein. Là, ils ont pas une thune, ces enfoirés. Hein. Ah si, 60 cents. Waouh. Avec ça, les gars, on est refait. Hein. Là, je peux racheter 3 maisons. Hein. Bon, vas-y, on va rechercher le mec. Il a dit que ces hommes l'attendaient à Dubéry Creek. Allons voir là-bas. Allez, ok. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est peut-être que le shérif. The sheriff's done a lot to bring Rhodes into line since the time of the Greys and Braithwaites, but clearly he ain't done enough. Ah oui, c'était ça, cette ville-là. Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez. Ouais, c'est normal. Coming back with him. Don't you worry about that. Oui, en même temps, la munition paraissait tellement simple. $200 de la part d'un shérif possiblement corrompu pour une tête mise à point. $2,000 $2,000, ça aurait fait du bien. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we take Ah, le malin. One, but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. Il veut prendre la thune des deux côtés. The loyalty's got to be to the one that's issuing bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. Je suis désolé pour ça, les gars. I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second guess every poster. Ouais, ouais, meuf, tu fais quoi là? I tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us. Ok. Si on peut gratter les $2,000 en or. Reste sur la route. Ok. Bah là, on a un point d'observation. Hein. Ok, voici, c'est eux. Grâce à mon sixième sens de jeu vidéo. Ça marche. Bon, faut y aller à pied là, le haut avec son cheval. Tu vas me dire que lui il nous voit pas? Il est vraiment nul. Hein. En tant que garde, il est vraiment nul. Par contre, il se balade toujours avec un sniper de qualité. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through.
So maybe that's delayed them? Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You? Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I want to die. Besides, those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. Encore une petite phase aux snipers. You sure about this? Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. T'inquiète pas, j'ai appris avec les meilleurs. Avec Arthur Morgan. Ok. Ouh, t'as perdu ton chapeau toi. Je l'avais pas du tout, hein. Je sais pas pourquoi ça m'a compté comme un... Ça c'est dans les dents. Ouh, j'ai crisé. Hop, excusez-moi. Voilà. Oups. Ok. Quoi, il y en a encore un? Je le vois pas. Ah si, je le vois. Ouah, je lui ai décaloté la tronche à lui. Je le fais tout au snipe, hein, c'est plus drôle. Bon, c'est plus drôle, mais je suis nul, hein. Bon, alors toi, frérot, t'as plus de tête. C'est signé, hein. Ok. Ouh, au-dessus de nous. Hop là, ça dégage. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. On recharge. Oh, quelle tension. Oh, mais je peux, je fais deux pas. Il y a le gang des pépitos qui arrive là. Ah. Voilà pourquoi je suis nul au FPS, les gars. Si jamais vous posez la question, vous comprenez mieux maintenant. Oh, vraiment. Quoi? Fallait pas le tuer? Vous avez tué... Ah merde, mais je... Bah c'est mort au vif, non? Oh. Bon, on va le faire en mode beaucoup plus rapide que prévu. Oh, attendez, c'est mon sniper. Oh, ça va être un autre délire, là. Ok, non, ça va être une perte de temps. On va y aller au fusil à l'ancienne. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Hein. Il n'avait pas un troisième? Ah, c'est un... Non mais meuf, Bah non, faut pas le buter justement, t'as dit.
Quoi, attends, y'en a qui est là, là? Ah oui. Il visait bien, lui, hein. Oh, ils m'ont mis tellement dans le mal, ces yinches. Pointez votre arme, hein, capturez le vivant. Reviens là. All right, amigo. I'm coming. Try anything clever, you're gonna get shot. Oh, hold your horses, chica. Qu'est-ce que c'est que cette musique là? Get out of there. I said, get out of there. Easy, girl. Oh, you gave up easy a long time ago. Il s'est rendu, genre vraiment? Hey, look out. More of them coming. Hey! Estoy aquí! Shut your gut mouth! Allez, hein, ta gueule. Ça ne s'arrêtera donc jamais! C'est bon? Oui, je pense. Je leur fouille, on sait jamais. Je vais peut-être récupérer des trucs. 70 cents, ok. Oh putain, comment je l'ai soulevé. Tiens, je te le rends. Eh ouais, on se casse. 1h12, oula, j'ai pas regardé. Il lâche son meilleur caca. Hein. Bon, finis la mission, hein. Ouais, ça fait déjà deux fois que tu le dis. Elle arrive pas à monter, la meuf. Bah viens, meuf, t'es perdu là. Voilà, viens. Faut aller chevaucher, faut aller monter à la montagne. C'est clair, allez, 2000$ en or, j'ai pas oublié. Hein. Vas-y, on va écouter. On sait jamais, il va peut-être lâcher une info. You see, Ramon, what we got here is a trust issue. Well, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to San Anita Hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Pas faux. I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mister, $5,000. $5,000. Well, I hope you left it to someone in your will. Because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. Ay, damn you, woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. Allez, lâche l'info. Où est-ce qu'ils sont, ces $5,000? Oh, calme-toi, frérot, on travaille pour l'État là, nous. Hein. Je veux dire, on escorte un prisonnier, mais c'est pas vraiment. Là, on n'est plus dans le domaine de l'escorte là. Ah, mais du coup, j'espère qu'ils ont embouché le trou de la prison, hein, parce que si on le remet dedans et qu'il y a encore le trou, ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire.
cheval, il a besoin de se reposer, hein. Ok, Ramon Curtis. Let's just finish this. Big mistake. Real big mistake. I'll see you again. Eh ben on se reverra alors, c'est pas grave. On te recapturerait, ça refera une autre prime. Même si attends, il a poussé. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go, I'll pay you when I deliver him. Quoi? Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. Il est trop confiant, j'aime pas ça. You send my money to the bank for me. Of course. Supposed to be retired from this. This? For nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. Si on veut. If you say so. See you around, partner. Ok, donc du coup on a gagné combien en soi? Oh, c'est un grand chat. Simple, mais ça marche. D'être remboursé 150. Ok, pas mal, pas mal. Messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui a duré beaucoup trop longtemps, mais je ne coupe pas en pleine mission, donc on l'a fini, voilà, vous aurez une vidéo d'un peu plus longue, voilà. Vous êtes gourmands, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur Red Dead Redemption. Ciao YouTube !